本当にもうお前は終わっちまったのか。悟空、孫悟空。ジレンは絶対に負けない存在。Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi c'est le cas aujourd'hui. Avant que la vidéo démarre, si vous avez kiffé l'intro que vous avez vu avant la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, ça me donnera encore plus l'envie de le faire. Et surtout, eh ben, je veux pouvoir savoir si vous kiffez ce genre d'intro parce que c'est vrai, ça change d'avoir des intros qui changent à chaque showcase. Bon, je le ferai peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire, au moins je le saurai. Et pourquoi pas dans le futur, on pourra continuer. Donc merci à tous. Aujourd'hui, on va aller showcase notre petit Jiren. Enfin petit gros Jiren à 11 étoiles. Oui, 11 étoiles le Jiren. Donc vous allez voir que c'est une dinguerie. Le personnage, vous vous en doutez, avec autant d'étoiles, forcément. On va le jouer dans cette team. Alors pourquoi vous allez me dire, il y a pas mal de choses à voir pourquoi on le joue là. Alors on va le jouer dans Saga de Survie d'Univers, Univers Rival. C'est les deux teams qui se ressemblent. Donc pourquoi avoir mis Champa? Tout simplement Champa double KZ attaque. Donc ça c'est très bien. Dispo double KZ attaque. Donc attaque strike, attaque Kikoa, c'est très bien. Le Bergamo pour la KZ HP. Le Basile pour la double KZ strike, 30%, c'est pas mal. Et également bah, le Topo pour le support. Donc voilà, ça va être vraiment craqué, vous allez voir, il y a pas mal de pivots dans la team. Les trois fonctionnent très très bien. Et on va partir showcase ça. On va voir un petit peu les stats de Jiren avant de démarrer. Pour un perso non transfo et non Zenkai, non LF, 260 000 d'attaque strike. Et des stats défensives qui sont pas dégueu non plus. Pas mal de force en plus. Donc vraiment, là il a des gros stats. Là il a des gros stats, vous en doutez. On l'a bien monté. Espérons pourquoi pas le drop pour aller chercher les 13 étoiles. Ça serait le maximum de ses stats. Mais bon, ça serait un petit peu vénère. Voilà, on va s'arrêter ici. Et on va aller showcase tout ça. Vous allez voir que en plus, ce topo va mettre pas mal de pivots. C'est super intéressant. Donc petit pouce bleu, on s'abonne et on part sur les games. Je vous souhaite un très bon visionnage et espérons qu'on passe un très bon moment ensemble. Bon, première game face à une team omniprésente dans le ladder en ce moment. Bah, c'est la team divin avec l'arrivée du Migaté. C'est clairement la team divin. Ouah, j'avais pas eu le Végéto Blue 8 étoiles ici. Ah oui. Ah oui, là c'est pas rigolo. Là. C'est pas rigolo du tout. On part sur ce trio là. Espérons mettre du pivot avec Topo. Pouvoir faire potentiellement mal avec Dispo. Et finir en tant que dernier combattant avec Jiren qui va pouvoir mettre des sacrées tartes. Allez, c'est parti les frérots. Let's go! Pas grave, si couvert avec Migaté, c'est pas grave. Il veut pas? Ok. Ok, fallait que ça arrive. Bon, on a pas paniqué, hein, pas besoin. Ok, ça le risque était à prendre, hein, clairement. Ça dégage. Let's go. Encore une strike, frérot! Oh, c'est pas possible. Encore une verte, pardon. Un petit peu de réussite là quand même, hein. D'avoir autant de vertes là, vraiment de la réussite même, je dirais, hein. Oh là 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 là, terrible. Beaucoup de chance quand même d'avoir deux vertes aussi rapidement en fait. Il a eu deux vertes, mais ok, Topo par contre ça tank. Let's go, hein, l'ulti qui part ici. Relève interdite, Végéto Blue il le prend. Il avait oublié ça, je suis sûr il avait oublié, moi aussi. J'avais oublié. Allez, l'ulti qui pourrait tuer, hein. Il est que 4 étoiles le topo, je suis assez impressionné. Oh non. Oh la chance. Il y a pas mal de réussite là du côté de notre adversaire quand même là, j'avoue. Ça dégage, 800 000 là. 800 000. Ah. Ça c'est moins drôle. Il peut nous tuer avec l'ulti ici, hein. Allez, Topo. Topo revient. Rising Rush qui part du coup. On peut tenter l'aspect, hein. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, dommage. Bon, on va pas contrer. La game n'est pas terminée du tout parce qu'on a détruit son bleu qui pouvait nous embêter. Pourquoi il a joué rosé ici? J'arrive pas trop à comprendre. Il pensait que j'allais jouer Champa pour contrer son Migaté, je pense, c'est ça. Bon, c'est pas le cas. Assez, ouais. J'avoue que là, Topo, il fait mal.
Il m'a mis une tempo l'enfoiré en face. Ok, il va pouvoir ultier. Alors ça c'est l'erreur par contre. Let's go, le Rising Rush qui part. On évite la cover du Migaté comme ça. Et c'est très bien ainsi. Ok, on va espérer en continu déjà. Ça passe. Ça passe, donc là par contre on est vraiment bien. Là on est vraiment bien, on a pris l'avantage. Enfin, l'avantage oui non, parce que tout dépend ce qu'il peut nous faire avec Migaté. Même s'il a déjà utilisé l'ulti. Mais bon, Migaté il peut nous faire des misères ici. Oh let's go, bah là ici ça part hein. Ça part sur Diren ici pour mettre les tartes. J'aurais dû faire le main avant. C'est moi qui fais l'erreur ici. Ok, ça va, ça nous permet quand même de piocher une carte. Mais j'aurais dû faire l'ulti avant pour aller chercher la vitesse de pioche. Et est-ce qu'on va pouvoir... Ah les tartes qui met, let's go. La win sur le Migaté ici. Oh là 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 là. Oh là, quelle classe, incroyable. Là cette game elle est vraiment incroyable. Franchement je suis très très surpris des dégâts de Topo. Je le trouve incroyable, il a fait vraiment du taf sur cette game. Oh la team, oh la team en face. Là il y a des étoiles, Migaté 6 étoiles. Oh là 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 là. Alors moi qui pensais avoir une team étoilée, bah alors en face je crois que c'est quelque chose. Il va jouer Migaté je pense, hein, c'est sûr. Bon, on va partir là dessus, on verra ce que ça peut donner. Mais attention, oh, la team je reviens pas. C'est vraiment vénère. Dommage pour lui qu'il joue pas Bergamo sur le banc. Il aurait une belle cape des HP. Allez, ça part directement ici. Oh, ça lag. Ça lag en face. Aïe, il n'y a aucune gain de potable dans ce showcase, je vous assure. Ça, ça part. Frérot, s'il te plaît, par contre. Tank son topo. Délire. Là par contre ça va pas être la même. Là ça va pas être la même. Là ça va prendre tarif là. Ok, let's go. Ah c'est tant. Ouais voilà. C'était risqué de jouer. Oh j'avais oublié. Oh bah oui, bah il a pas de cover. C'est trop fort. Ah c'est trop fort ce qu'il vient de faire ici, Diren. Allez, il va perdre dispo là sur le Rising Rush si on passe évidemment. Là on commence vraiment bien la game, c'est cool, cool, cool. Il laisse le Diren. Là il a intérêt de. Je sais pas du tout. Là j'ai pas compris, c'est quand même un bon joueur en face, mais je sais pas trop ce qu'il fait sur ses moves. Ou alors il a cliqué à côté, c'est possible, ça m'arrive des fois aussi. Donc là on est bien. Là on est très très bien l'aspect hein, sur le sur le topo. C'est n'importe quoi. Oh le frérot en face. Ok. Bon. Là on la gagne, tant mieux. Il forfait, mais j'ai pas trop compris pourquoi il jouait. Alors je comprends pas, il est une grosse team, c'est un bon joueur, mais il forfait comme ça. Bon bah c'est pas grave, on la gagne ici. Par contre, voilà, on n'a pas vu énormément de choses, mais on a quand même vu un Diren très très fort. Notamment sur la cover de Diren, il a empêché la cover, c'est trop fort. Et également sur l'aspect, hein, qui a fait super mal. Et là, c'est, bah là, ça parle de soi-même. C'est un blue blue purple avec 3 LF. Team, ma foi, bien stylé. On va pas jouer dispo, on va jouer champagne ici, hein, face à un violet. Bon, il y a beaucoup de bleu dans la méta, on jouera pas dispo. Mais par contre, Diren peut vraiment se régaler parce que Migaté a 2 étoiles avec. Des KZ, bon il en a, hein, mais il y a moyen qu'on lui fasse super mal. Allez frérot, à nous de bien jouer. Let's go, Vegeta. Allez, toi tu vas rester avec moi pendant 5 secondes, c'est trop fort. Allez, ça dégage. Ah, bien joué. Bien joué, j'aurais bien aimé qu'il attaque ici juste pour voir, je pense qu'on l'aurait tué. Ok. On est bien là, si Mimi Gaté. Oh, bien joué, ça par contre, rien à dire. Ouais, topo pour tanker, pour aller mettre du pivot en fait. Il tank topo, je suis choqué de voir comment il tank topo à 4 étoiles. Franchement c'est une grosse surprise ce topo. Positive évidemment.
Il a été dispel le topo, il fait super mal, hein, franchement. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait ici, j'aurais dû balancer avec quoi parce que je pensais que oh la Vegeta Blue, 2 millions, est-ce qu'il les prend? S'il les prend, c'est énorme, hein. Vraiment, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de Cap Z. Hein. Les Cap Z des Yex. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Allez, Champa ici. Ça me dérange pas ici. Hein. Rising Rush, je peux mettre Topo, je suis bien dans le game. Là, je suis vraiment bien. Oh, bien joué. Ouh, on a eu chaud. Et on peut pas se soigner en plus, terrible. L'ulti Topo ici. Comme ça, avec le main, on peut faire la strike. Hein. Ok, let's go. Et là, on le lock, donc il peut pas switcher, c'est trop fort. Topo, grosse surprise, ce Topo je le trouve vraiment très très fort. Pour ceux qui l'ont avec des étoiles, il doit être vraiment tanky perso. Alors, par contre on tue pas, ça c'est un petit peu plus relou par contre. C'est même un petit peu beaucoup relou là par contre. Vraiment, il a deux open save d'ailleurs, je viens de penser. Bien joué ça. Ouais, oh il tank hein. Il tank le Jiren. Pas sûr que Champa il tank avec 485 000. Ça m'étonnerait. Hein. Si tank, ça serait énervé, mais dégâts incommensurables, plus 50%, plus pas de réduction. Non, ça, non, on contre. C'est pas si loin, mais ça passe pas. J'avais oublié. Il va y avoir un mort ici. Hein. Ça sera lui. Et on a Topo qui est vraiment trop fort. Ça, ça part, c'est gratuit ici. Bon, c'est pour enlever 70 000 PV, hein, mais bon. C'est surtout pour le tuer réellement. Let's go, ça passe. Oh, bah là, je vois pas comment on la perd ici parce que Topo a la survie au chaos. Là, franchement, on est bien. Là, franchement, là, vous avez vu une très belle game de très bonne qualité en vrai. Parce qu'il y a quand même une belle team en face, on arrive à faire des belles choses. Vaut mieux en même temps, sinon ça serait nul de faire des mauvaises choses. Bon, Majin à la fin, il fait mal. Hein. Pas se mentir. Entêtement, dommage, il aurait dû faire plus tard parce qu'entêtement, bah du coup, on s'en fout. Et ouais, let's go. Le but, c'est de le faire esquiver ici. Allez, on va finir avec le frérot. On va finir avec le frérot. J'aurais bien aimé voir les dégâts de la strike ici qui aurait fait très très mal. Donc, Topo, franchement, j'ai l'impression qu'il est vraiment indispensable à jouer avec Jiren. Je le trouve super fort. Alors, je vais jouer beaucoup sans Topo, mais en fait, Topo est excellentissime. Mais là, c'est le showcase de Jiren. Et Jiren, bon, c'est le vendeur de patates de la team. Il fait trop trop mal. Ok, gros GG en face. J'avais pas compris ce qu'ils faisaient au début. Mais regardez, on a une Cap Z, 2, 3, 4 Cap Z HP pour le Migaté. Énorme. Énorme, énorme. Par contre, est-ce qu'il va prendre juste Migaté? Vous croyez qu'il va prendre juste Migaté? Non, je pense pas. Il va jouer sans doute avec le Shallot et le Goku. Hein. Je vais pas partir tout seul, c'est pour me retrouver en 1v3. Donc, on va jouer Topo. On va jouer Dispo et Jiren. On va partir comme ça. Le problème, c'est que Migaté, même avec énormément de Cap ZHP, ce qu'il doit donner dans les équipements également, il a dû donner des Cap ZHP. Mais le souci, c'est que le perso aura pas tant de HP que ça parce qu'il a pas une stat folle en HP. Ni en défense d'ailleurs. Allez, frérot, c'est parti. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Dommage. Ok, ça, Dispo devrait tanker en début de game, il a beaucoup de réduc. Beaucoup, beaucoup, ça fait mal quand même. Oh là là, face à Shallot. Oh, les patates qu'il met. C'est quoi ce délire? Non mais... C'est quoi ce perso? Vous avez vu les patates qu'il met? Oh non. C'est bien joué hein. C'est bien joué. Rien à dire mais Topo va tanker. Alors là l'ulti ouais.
Il a l'entêtement sur lui, tiens. Donc on le tank évidemment avec Dispo qui devrait prendre cher mais qui ne va pas mourir. Donc c'est le principal. Bon, il va prendre cher quand même. Ça va. Ok. Boum. On enchaîne tout rapidement, il y a les 5 secondes. Oh la verte. Oh la verte comme elle carry. Oh comme elle carry la verte. Incroyable. Et Rising Rush ici, sinon il peut cover sur Migaté. Et d'ailleurs il va peut-être cover sans faire exprès là. Ah non, des fois ça peut arriver d'anticiper la cover. Et donc là par contre, ça va le tuer hein. Ça va le tuer, putain mais pff, droite. Ok, let's go. Bah après on peut switcher sur Dispo et aller faire le main, comme ça on boostera le Jiren. C'est l'objectif. Ouah, l'aspect vous avez vu dans le Rising Rush. Mais quelle brute, mais quelle brute. La verte qui a vraiment carry hein, sur le shallot ici. Ok. Il passe à travers ou pas? Ah, c'était à tenter, c'était à tenter. Ok, pourquoi pas. On va prendre la... Non. Ok, ça c'est bon. Oh, let's go. Et on va tuer à contre-type. Je pense qu'on tue là, même à contre-type. Hein. Encore une fois, je fais le main trop tard. Allez, on va faire ça. On va faire ça ici. En vrai, c'est pas débile, parce que je pense pas... On lui arrive pas 1 million, 1 PV. C'est certainement. Ah bon, on perd l'ulti en plus. Mais let's go. Bien joué, Blast. Ah, il a contre-type le perso là. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il a contre-type le perso ou pas? Non, parce qu'avec le 8 on lui enlevait pas 1 million 2 non plus à contre-type. Par contre là il a fait normal. Non mais c'est trop fort franchement, c'est dire. Après je l'ai eu avec énormément d'étoiles, vous en doutez. Mais on va beaucoup le jouer en live et en vidéo. Vous allez avoir d'autres showcases, donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Le showcase s'arrête ici, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. On n'oublie pas, merci de me soutenir les frérots. Et à la prochaine, ciao.